Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le 28 janvier, c'est la fin du mois de janvier, j'aurais vraiment pas vu passer. Donc théoriquement je sors cet après-midi. On m'a enlevé et perfusion, parce que là je vais avoir des antibiotiques pendant 10 jours par comprimé. On m'a enlevé la sonde là, qui m'avait laissé, je sais pas, vraiment une sonde à demeure, mais enfin une sonde permanente. Et j'ai réessayé, j'ai réussi à me sonder, donc c'est déjà une bonne chose. Malgré tout, je vais quand même appeler les infirmières qu'elles viennent quand même à domicile au moins deux fois pour vérifier que tout se passe bien, au moins pendant quelques jours. Voilà, c'est la première chose. Oui, donc hier, en fait, ce que je voulais vous dire, parce que je vous disais que je voulais vous dire quelque chose, mais j'avais oublié. Donc, en fait, c'est la première fois de ma vie que je suis en arrêt de travail, puisque, comme je vous avais dit, j'en ai eu plusieurs, je ne les ai jamais données, parce que quand vraiment c'était nécessaire, je me mettais en congé. Donc, arrêt de travail, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça commence depuis le 31 décembre. J'ai reçu qu'hier une notification de la CPAM me demandant des documents. Super. Donc j'ai essayé de les contacter. Donc, déjà ça a été assez laborieux. Quand j'ai fini par avoir une très gentille dame qui voulait donc plein d'infos, normal, numéro de sécu, adresse, numéro de téléphone, mail, date de naissance, nom de jeune fille, enfin plein de choses. Donc j'ai tout donné, bien entendu. Et là, elle me demande pour finir le numéro qui figure, je crois que c'est près de ma photo, je ne sais plus où, sur la carte vitale. Sauf que de ma carte vitale, je ne l'ai pas avec moi. Et donc, je lui dis, bah, je suis désolée, je n'ai pas ma carte vitale. Vous savez, je suis hospitalisée, là, je ne l'ai pas avec moi, puisque, enfin bref. Et elle me dit, bon, bah, alors donnez-moi les derniers chiffres de votre compte bancaire ou je sais pas quoi. Je lui dis, ben, je vous ai dit, je suis hospitalisée, donc je ne me balade pas avec ma maison avec moi. Donc non, je ne me balade pas avec RIB et tout, surtout que comme je suis venue par les urgences, ben, quand on va aux urgences, voilà. Et là, mais rien à foutre, mais d'un manque d'empathie, mais j'ai rarement vu ça. Elle me dit, bon ben je suis désolée. Et là, elle m'a raccroché au nez. Ok. Ah, j'ai bien aimé, surtout après avoir attendu pendant je ne sais pas combien de temps. Bon, donc là, l'après-midi, mon mari m'a donné le numéro, le fameux numéro qui était sur ma carte vitale. Donc j'ai rappelé, une demi-heure d'attente. Et puis là, heureusement, je suis tombée sur une fille sympa, là, cette fois-ci, bon, qui m'a donné les infos dont j'avais besoin. Enfin bref, donc tout s'est décanté. Je vous avoue que sur le coup, j'ai trouvé que c'était assez. Parce que bon, ok, elle avait besoin de ce fameux numéro. Mais bon, bah, je pense qu'il y a des manières de le dire. Et puis, je pense qu'on peut être compréhensif quand la personne. Et puis, surtout que j'étais pas du tout. À aucun moment, j'ai été virulente ni quoi que ce soit. Je me suis énervée ni rien. Je disais ça gentiment. Mais bon. Voilà, comme quoi, il y a des cons partout. Voilà. Donc, bah, comment je me sens là, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est là où je suis, je pense, le plus fatiguée. Je pense que là, c'est le relâchement total. J'ai un peu mieux dormi cette nuit, parce qu'au lieu de dormir 3 heures, j'ai dormi 4h30, donc c'est cool. Mais là, je crois que dès que j'ai fini la vidéo, je vais me coucher. Enfin, je suis déjà dans mon lit, mais je vais m'allonger. Mais là, je suis mais épuisée. Je pense que ce soir, je vais passer une bonne nuit. Et samedi, une bonne nuit, enfin une bonne nuit, une grosse sieste, une bonne. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui et samedi, je vais me reposer. Dimanche, j'ai plein de choses à faire, mais je pense que je vais bien dormir. Et puis voilà, sinon bah, au niveau de la récupération des mains, bah, vous voyez bien ma main, voilà, elle est toujours, celle-là c'est une catastrophe, celle-là bah, il y a toujours ces fourmillements, ces décharges. Et puis bah, voilà, hein, comme je vous disais, je suis en mode résilience et je me demande comment je peux, au bout d'un mois, toujours supporter ça. Mes jambes sont très faibles, mais bon, bah, ça va le faire hein, de toute façon. Hein. Mais c'est vrai que quand je pense que. Et je l'ai eu en direct au téléphone, hein, qu'il y ait des gens qui se prennent des arrêts de travail de 15 jours, voire 3 semaines, parce qu'ils ont juste un petit bobo au ventre ou une gastro. Alors je sais qu'une gastro, c'est emmerdant, c'est le cas de le dire, mais il n'y a pas besoin de se prendre 15 jours. Enfin bon, c'est voilà, c'est le monde à l'envers, quoi. Il y a vraiment des gens qui abusent, c'est dingue, quoi.
Mais bon, c'est comme ça, on fera pas le monde. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous fais plein plein de, c'est horrible. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et puis, oui, si je sais qu'on m'a posé des questions, mais je, et donc oui, donc je lis bien tous vos messages. Hein. Alors d'une part, je ne peux pas y répondre parce que je ne peux pas taper. Je dis, j'ai un doigt qui, voilà, et je fais faute sur faute. C'est pour écrire 4 mots, ça me prend, je sais pas combien de temps. Enfin bon, donc voilà. Mais je les lis bien. Je vous en remercie mais infiniment. Et puis voilà, c'est passé ce que je voulais dire d'autre. Mais je vous remercie infiniment de toute façon. Donc plein plein de gros bisous. Merci pour tout. Et puis comme toujours, hein, portez-vous bien et très bonne journée à vous. Gros bisous, à bientôt.